dans le vlogmas numéro 15. Alors je suis désolée, j'ai pris du retard parce que notre séjour à Paris était archi mouvementé honnêtement. Donc vous aurez 3 vlogs en un parce qu'en fait je vous ai quitté sur le lieu du tournage. On a tourné une émission. Après malheureusement de midi à 19h ils nous ont enlevé tout ce qui était téléphone, caméra et tout ça. Donc j'ai pas pu filmer concrètement. Et après on est juste parti dans les métros et les RER pour aller dans un restaurant rejoindre un collègue à mon frère. Et après on est rentré à minuit et quelques au Airbnb. On a dormi le lendemain. On s'est levé à 6-7h du mat pour reprendre le train et redescendre dans le sud, dans le Var. Donc on a eu 4-5 heures de trajet encore. Et quand on est rentré j'étais cuite honnêtement. Et je pense qu'on a tous attrapé froid parce qu'il gelait les gars, il gelait à Paris. Quand on est parti mercredi matin il y avait de la neige. Comme je vous le disais c'est clairement pas le même froid qu'au Canada. Rien à voir, c'est 1000 fois plus froid alors qu'au Canada il fait moins 45 degrés. Hier on s'est reposé. Vous avez peut-être pas du coup voir grand chose le mardi mercredi parce que c'était journée transport et journée tournage. Donc voilà. Pour le tournage je peux pas vous dire grand chose honnêtement. Juste vous dire que ça va être sur un prime time un vendredi ou samedi soir. C'est un truc collectif, je ne sais pas quand va être la date de diffusion donc pour l'instant je ne peux rien dire. Ça c'était une surprise aussi de mon frère qui nous avait inscrit. Pour mes 30 ans c'était mémorable. Bref je crois que je suis encore fatiguée parce qu'on n'a pas encore récupéré de nos nuits, des trajets tout ça, j'ai encore des cernes de fou malgré l'anti-cerne. Et je vous ai pas dit aussi, j'ai claqué mon parfum La Vie est Belle le jour de Disney. Le lundi matin j'allais pour me parfumer, paf je fais tomber mon parfum La Vie est Belle qui s'est explosé en 1000 morceaux. Je peux vous assurer que dans le Airbnb, dans la salle de bain ça sentait tellement bon pendant tout le séjour. Je suis dégoûtée donc faut que j'aille me racheter mon parfum que je n'ai plus qui s'est explosé en 1000 morceaux à Paris. Voilà magnifique, VDM. Nous aujourd'hui on doit passer à la banque, le chéri doit passer à son travail parce qu'il reprend demain le boulot donc il doit y passer. Je vais aller voir en attendant moi ma mamie. J'ai toujours pas de voiture pour l'instant. Faut absolument qu'on cherche pour en trouver une aussi parce que ça va être compliqué vu que le chéri reprend le boulot. Il pleut de fou aujourd'hui, il pleut. Là j'essaye de reprendre les vlogmas normalement. Et voilà c'est les aléas hein, de la vie quand c'est comme ça, quand on est surchargé, que c'est des imprévus. Moi j'étais pas au courant qu'on devait monter sur Paris et tout. Donc voilà c'était incroyable. Par contre il faisait tellement froid comme je vous disais, d'attendre dans le froid et tout c'était un truc de fou. Le manège par contre Star Wars là, je sais plus comment ça s'appelle, le simulateur là. Oh my god. J'étais malade pendant une heure. J'ai eu le malheur de prendre un café au lait juste avant et mon ventre il tournait comme ça. Je tournais dans tous les sens, j'ai carrément enlevé les lunettes 3D et tout, j'étais au plus mal dans le manège. J'ai pas vomi mais c'était presque. Et oui, le spectacle, j'ai oublié de vous parler du spectacle, mais je crois que je vous l'ai dit vite fait, on n'a pas compris pourquoi ça ne chantait qu'en anglais alors qu'on a Disneyland Paris. On était vraiment déçus par rapport à ça. Et Olaf, j'adore franchement Olaf et tout, la Reine des Neiges, mais c'est pas mon Disney animé préféré. On ne voyait que Olaf dans le spectacle. Olaf a pris sa place quoi. Je pensais qu'il allait avoir plus de Mickey, Minnie, nos Disney à nous de l'époque et tout. C'est un peu dommage sur ça qu'ils sont restés que sur la Reine des Neiges. Mais bon, après ceci dit, avec les lumières et tout, c'était incroyable, le spectacle des 30 ans était magnifique. Je vous reprends plus tard, let's go, on a plein de choses à faire ce matin. C'est mon beau Pacha, il fait sa toilette sur son arme en ange. Comme c'est gris, on est à Grand Var pour les magasins. Je peux pas filmer à l'intérieur, c'est trop full de monde avec les fêtes. Mais à abuser, derrière les montagnes, on les voit même plus derrière Grand Var. Je vous montrerai à la maison un peu ce qu'il en est. Il pleuvait tout à l'heure et là, franchement, il fait super bon honnêtement. Putain, ah oui. Ça fait du bien. Un temps pareil, là, on se régale. Regardez les belles décorations qu'ils ont fait pour Noël. C'est trop féerique. C'est hivernal à souris, on adore. Les petits ours qui pêchent les poissons. Alors, Zoju, j'adore. Regardez-moi ce sapin. J'aimerais ça un jour chez moi. Et regardez la table. Wow, c'est trop cocooning là-bas, le salon. Oh, j'adore, je veux ce salon chez moi, ce sapin. C'est juste pour ça. Amazing. Ah oui, on est venu à Zoju juste pour ça, pour le monin caramel. Ben voilà, on va pouvoir le trouver. Oh, j'adore l'effet flamme comme ça des guirlandes. Bon, je sais pas si vous me voyez bien parce que j'ai un petit peu tout au milieu. On est rentré à la maison, c'était blindé dans les magasins. Mince, les fêtes qui arrivent et nous c'est vraiment l'apocalypse parce qu'il nous manque de tout quoi, honnêtement. C'est vrai, tout sera aménagé, même la nourriture et tout ça, il nous manque toujours des choses. On a repris des petits croutons à carreaux, ça c'est pour nos tapenades et tout ça. On a retrouvé une petite planche comme ça, on en avait acheté une, je vous avais montré, mais qui est plutôt grande, mais celle-là, elle est top, ça complétera la plus grande qu'on a. À 7,90€ à Carrefour aussi. Je sais pas si c'est en bambou aussi celui-là. Bref, je sais pas, en tout cas, elle est magnifique, c'est pareil pour la charcuterie, le fromage, les apéros, c'est parfait. Chez Carrefour, c'était en promo, 28€ les 3 poils, dont tout feu, dont induction, elles sont magnifiques en plus en bronze, et c'est des anti-adhérents, donc je pense que je pouvais pas trouver moins cher, 28€ les 3 poils. On a pris des apérifrais, donc apérifrais spécialement pour...
le match de la France. Ail étain et poivron rouge. Et sinon, on a pris ceux aux chèvres. Ceux aux chèvres, ils sont délicieux. C'est pavot, mix provençal, ciboulette et thym. La corbeille à fruits est magnifique. On l'a payé 8,30€ à Carrefour. On va pouvoir la laisser sur plan de travail. Ça va être chouette. Comme vous avez vu à Zodio, on a pris le Monin caramel, toutes les sortes de Monin qu'ils ont à Zodio. En plus, ils ont mis des pompes où vous pouvez goûter à chaque fois les sirops. Sauf que là, il y avait plus d'eau parce qu'on était en fin de soirée. Donc, je pense qu'ils ont oublié de le re-remplir. Dommage, je pense que j'aurais tout goûté. Mais honnêtement, caramel, c'est délicieux. Nous, on mélange ça pour des shooters, bien sûr, avec modération. Avec de la vodka. Donc, on a acheté de la vodka. De temps en temps, ça fait du bien. À Kailo, j'ai trouvé du thé vert. Ça, c'est pour faire du thé à la menthe. Donc, je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est vraiment, on appelle ça, les petites graines, les petites feuilles, quoi, à mélanger, à faire infuser. Ça, mes deux jus frais préférés. À Carrefour aussi, banane et ACE, une tuerie. C'était en promotion aussi. Pacha, ça va? Ça se passe comment? J'ai fermé le volet, Pacha. Il pleut de toute façon et il fait nuit. On aura le volet demain matin. J'ai pris ça, c'est nouveau. Des petites en fait éponges comme ça. D'un côté ça gratte et de l'autre côté c'est moins gratteux. C'est comme des éponges que vous mettez à laver, à la machine à laver. Et ça sert au lieu de racheter des éponges à chaque fois. Et ce qu'il y a qui est bien, c'est que c'est des anti-rayures et c'était 10€ les 5. C'est des éponges, nettoie tout, lavale en machine, double face, un côté éponge, un côté microfibre. S'utilise sur toutes les surfaces et ne raye pas. J'ai trouvé un sapin pour Halloween. Un sapin noir au lieu de 80€, c'était méga solde à Kailo à moins 60%. On a payé 30€ le sapin noir, incroyable. Donc j'ai mon sapin pour Halloween pour l'année prochaine, c'est magnifique. On est passé chez Zara, j'ai trouvé des trucs à Kiko. Ça faisait un bail, j'avais pas été à Kiko, il y avait plein de trucs donc je me suis racheté un peu du make-up. Je sais pas si je vous montrerai peut-être après mes achats Zara ou pas. À voir, en attendant, on va préparer quand même un petit apéritif là. Je vais ranger tout ça et je vous retrouve après le temps de faire le point sur tout. Alors le sapin noir en question c'est celui-ci, fait 1m80, il est juste incroyable, en plus garanti 2 ans et tout, mais il a plein de petites fibres à l'intérieur. Il était installé à Kailo, j'aurais jamais cru trouver un sapin comme ça là-bas. Hâte de l'installer l'année prochaine pour Halloween, en plus j'aurais reçu mes petites boules d'Halloween du Canada de mon conteneur. Bon c'est parti pour attraper en même temps les calendriers de l'Avent numéro 12, ça va être ici, je suppose qu'il a dû glisser aussi. Un Milka aux fraises aussi. Numéro 13, il est là. Ouais, le numéro 13, il a glissé là. C'est un Milka aux noisettes. Numéro 14, ici, en plein centre. Il a glissé le coquin. Un Milka de nouveau aux fraises. Donc, le numéro 15, c'est un petit Milka au lait. C'est parti pour le Cosmichi. Numéro 12, ça va être juste là pour le Cosmichi. Il est là. Oh, trop chouette! Je pensais pas qu'on allait avoir des gadgets comme ça, mais c'est quoi? C'est une cuillère pour le thé? Elle est trop belle, c'est original, on dirait, vous savez, les trucs pour mettre dans les chaussures. Numéro 13, elle est juste ici. Oh. Celui-là, c'est Aqua Summer, mélange d'hibiscus et de fruits de saveur pêche et abricot. Oh, lui, il va être fabuleux. Alors, numéro 14, il va être juste là. Hop. Oh, nous avons le thé blanc aromatisé à la bergamote et à la fleur d'oranger. Numéro 15, il est là. Oh, ça va être cette case-ci. Qu'est-ce qu'on a comme thé? Oh, génial. C'est un thé vert de Chine. C'est exactement plus le thé que j'ai acheté pour faire mon thé à la menthe. Donc, je suis trop contente. Je voulais vous montrer aussi deux petits accessoires que j'ai trouvés chez Bershka. Donc, déjà, ces petites boucles d'oreilles en forme de croix qui sont magnifiques. Elles sont immenses avec des strass et ce petit collier tour de cou, la rat cou avec un petit cœur en forme de strass aussi. Magnifique, voilà, ça c'était les petits accessoires que j'ai trouvé chez Bershka. Regardez ce qu'on s'est fait ce soir, petit apéritif comme ça fait du bien, des bonnes tomates cerises, du fromage, des cornichons, du saucisson, l'anchoyade là elle est trop bonne, c'est avec des petits croutons. Et là on a pris de la Desperade, trop bonne, on va allumer un petit encens, on a acheté de l'encens aussi tout à l'heure, j'adore celui-là, il sent tellement bon. Et là regardez, le petit sapin. On est bien dans le thème de Noël. Bon, on va se régaler et je vous retrouve tout à l'heure pour clôturer. On se retrouve pour clôturer le vlogmas du jour. J'ai oublié de vous dire au fait que hier, on avait gagné contre le Baroc. Donc c'était la folie. Nous, on l'a regardé vraiment à la maison tranquille, comme je vous ai dit, parce qu'avec le trajet et tout, franchement, on était cuit, qu'on a plus de voix et tout ça. Donc on l'a regardé à la maison, mais on était contents parce qu'on a gagné. Franchement, c'était pas gagné d'avance parce que le Maroc se sont bien défendus et qu'ils ont quand même pas mal assuré. Franchement, à 2-3 coups, je pensais qu'ils allaient marquer. Yoris a fait de sacrés bons arrêts, honnêtement. Il y a eu une énorme défense aussi, même de Griezmann et tout, donc alors que c'est un attaquant, enfin franchement un match de malade. Donc bravo quand même au Maroc, mais on a gagné, c'est l'essentiel. Donc rendez-vous dimanche pour la finale France contre Argentine, vu que maintenant on sait qu'on va jouer contre Messi. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il aura peut-être été un petit peu plus court. Je vous fais en tout cas des gros bisous et on se retrouve demain pour la suite des Vlogmas. Bonne nuit à tous, bye.